Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Vanishing of Ethan Carter. Voilà. On va continuer ça avec notre petit enquêteur qui s'appelle, je sais plus comment, Paul, je crois. Et voilà. Voilà. On va continuer. Je pense qu'à un moment, je vais arrêter de marcher et courir, mais je veux observer les décors, profiter de la musique. La musique me fait flipper actuellement. Enfin, elle me fait des frissons dans le dos. C'est que c'est comme ça qu'on fait un bon jeu aussi, avec la bonne musique et tout, qui met bien dans l'ambiance. Et ce jeu en est fourni, et ça c'est cool. En même temps, ce genre de jeu, heureusement qu'il y a des musiques pour faire ça, parce que sans la musique, ce genre de jeu c'est rien. No trains had been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. On va courir. Comme maison, en vrai, si elle était pas un peu en ruine. Je pense que visiter la grosse maison d'abord, c'est pas une mauvaise plan. Il y a Ethan. Du coup, papy, c'est. Oh, je voulais pas. Merci. Bon, la photo a été prise. L'oncle Chad était méchant, papa était triste, maman était en colère, Travis parlait fort, papy ne disait rien. Le ton. Ben, il y a Ethan, après papy, je suppose que c'est ses parents, et Travis. Du coup, tonton Chad, c'est chauve. Ok. C'est pas elle qui le trévisse en fait. Bon, on va visiter un peu la maison. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Ok, ils sont bien dérangés dans la famille. Y a pas d'autre pièce là-bas. Non, c'est fermé. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not.
You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Qu'il y a un truc par ici, mais je crois pas. Là je suis allée, là aussi. On va aller voir l'autre maison du coup. J'invoque le désolé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux, et celui que craigne le vent. Entends-moi. Ô grand démon Focalor, je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leurs jugements. Bloque le chemin par la duperie et la tromperie. Permets seulement à ceux capables de discerner la véritable intérieur de passer. Aglon, traite de tétragramme. Oh, je vais peut-être pas dire ce qui est écrit après parce que je sens que je vais me tromper et je sais pas quelle langue c'est et j'ai pas envie de. Ouais. Voilà. Alors. Ok, faut mettre les bonnes salles. Ouais, c'est celle-là. C'est la même maison que... avant. Qu'on a visité juste avant. Voilà. Ici, c'est bon. Vas-y, ici, c'est bon. Je peux prendre les murs. Là, c'est un couloir. Là, assis. On est bien dans les escaliers là, oui. Il était une fois un magicien qui vivait dans une vieille maison et qui fabriquait des potions. Qui lui permettaient de voir l'avenir. Les gens du village se rendaient à la maison du magicien pour lui réclamer ses potions. On veut voir l'avenir nous aussi, lui disait-il, mais le magicien refusait. Les gens du village en colère brûlèrent la maison du magicien. Mais le magicien, sachant ce qui allait se passer, avait déjà jeté un sort sur la pièce où se trouvaient ses potions. Toute la maison brûla, sauf sa pièce. Les gens de la vallée attendirent,
mais le magicien n'y sortit jamais. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Je veux pas tomber, je veux pas très haut. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait pas mal de choses quand même. On continuera la prochaine fois. Je vais mettre sur la belle qui est là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup vendredi pour la suite et découverte d'un nouveau jeu sur. Enfin, d'un jeu sur. Pour dimanche. Il est sur Epic Games, voilà. Vous verrez ce que c'est. C'est un jeu de gestion qui me plaît pas mal. Il faudra voir si on le fait aussi en vidéo le week-end ou pas. Vous me direz. Et samedi, peut-être épisode de série Sims. On verra. Ça, c'est pas sûr. Ça dépend comment j'ai avancé sur mes vidéos. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve vendredi. Bisous.